bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des madeleines avec une jolie bosse. Vous retrouvez la fiche recette sur le site zodio.fr et je vous mets le lien en description. Pour cette recette, nous aurons besoin de 3 œufs, 150 g de sucre, 110 g de beurre, 180 g de farine et 5 g de levure chimique. On va commencer notre recette en cassant les œufs dans un cul de poule. On va ensuite verser le sucre dessus. Et on va bien mélanger tout ça. On va rajouter ensuite notre farine avec notre levure chimique. On mélange de nouveau. Puis on va ajouter le beurre fondu. Et on mélange une dernière fois. Ensuite, on va filmer cette pâte. On va laisser minimum 3 heures de repos au frigo. Après ce repos, nous allons garnir un moule, préalablement beurré et fariné si besoin. On va remplir le moule aux 3 quarts. On va enfourner dans un four préchauffé à 210 degrés en chaleur statique. On va cuire pendant 4 minutes. Ensuite, nous allons baisser la température à 180 degrés et mettre en chaleur tournante. Et on repart pour 4 minutes de plus. On sort nos madeleines du four. Et on les enlève du moule pour éviter qu'elles continuent de cuire. Maintenant, vous avez tous les éléments pour bien réussir vos madeleines. Alors la preuve, on a réussi à faire des belles madeleines. Ça marche aussi avec d'autres moules comme des moules à mini financiers. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas encore fait. À bientôt !